Four versus four now as the whole BT side is rotating back. Félicitations, soulagé. Soulagé, je sais pas, mais oui, ça fait du bien de passer en finale, sachant qu'on était quand même très favori contre G2. Après, bon, voilà quoi. Alors, tu peux nous refaire un peu le fil du match. C'était hyper tendu. D2, ça s'est pas tout à fait bien passé. Inferno, c'était un peu la map clé, quoi. Et après, bon, déroulé sur cache. Bah, c'est un peu toujours la même chose en ce moment, c'est qu'on a du mal parfois à entamer la première map d'un BO3. Et enfin, c'est vrai que mentalement on était vraiment très très mauvais quoi. On n'était pas une équipe et voilà, G2 ont mérité leur place en demi. Donc voilà, ils nous ont fait payer nos erreurs. Ils t'ont impressionné par leur niveau ? Impressionné, pas forcément, c'était vraiment une bonne équipe quoi. Il n'y avait rien de spécialement fou, ils avaient un jeu vraiment à la NIP il y a 2 ans quoi, en mode tout le monde décale partout et on joue sur les individualités et bah, les mecs sont chauds, donc quand toi t'es pas prêt mentalement à encaisser ça, bah tu payes. Et nous voilà, notre gros problème là, ça a été quand même la mentalité qui fait que ça partait dans tous les sens et on a failli le payer très cher quoi. Alors justement, qu'est-ce qui a fait que ça a renversé la situation ? Il y a eu un déclic à un moment donné, vous avez une prise de conscience, ou c'est à force les overtime, t'as senti que ça finissait par venir ? Des deux, ça a été une claque, mais je pense très sincèrement que la vraie claque qu'on a prise, c'est qu'on était en overtime et il y avait 3-0 pour eux. Bon là, concrètement, une erreur et le tournoi s'arrête. Et c'est là où j'ai chanté l'équipe déjà revenir un petit peu au fil du temps. Mais quand c'est vrai qu'on était quand même vraiment pas mal au fond, mais j'ai senti dans les 3 rounds qu'on a mis que... Bah voilà quoi, c'était tout ou rien quoi, et on l'a fait, et voilà, on a su montrer que nous on avait un gros mental, et voilà, et après bon, comme on a plus d'expérience, on était plus prêt sur cash, même si même si le score peut paraître fleuve, il y a encore eu pas mal d'erreurs et de petits soucis internes. Notamment il y a eu un 1v5 de Rain à un moment donné, ça, c'est anecdotique ou ça fait quelque chose au mental, surtout que c'était juste avant le changement de salle je crois. Je pense, en tout cas, après le match, ça a été anecdotique parce que bon, ça n'a rien fait à part leur faire gratter le dernier round. Et enfin, ouais, le 1v5 de Red, c'est symptomatique des problèmes dont je parlais avant. C'est que des fois, on n'est pas concentré et c'est vraiment, on le paye, mais direct quoi. Et puis voilà quoi. Mais bon. Bon, félicitations quand même. Là, tu t'attends à rencontrer qui ensuite là ? NIP, Navi ? Moi, je dirais NIP quasi à 100%, mais pour l'instant, les pronos, j'ai vraiment. J'ai vraiment quasiment tout raté, donc mais oui, je sens bien un NIP grande finale, définitivement. Bon, encore une fois, félicitations, et puis on espère que la France ramènera un prochain titre pour une DreamHack. On l'espère aussi.